Les amis, je ne voulais pas m'exprimer sur ça, mais je vais être obligée de le faire parce que maintenant ça envahit même mon TikTok. Donc je m'exprimais au sujet de l'histoire comme quoi j'aurais jeté mon caca sur Vivian. Alors, cette histoire. Jamais de ma vie, je n'ai pris ma merde et je l'ai jetée sur quelqu'un. Faut pas exagérer, je suis pas dégueulasse à ce point quand même, je pense. Donc, et ça je le jure, hein. Mais qu'on sorte les preuves, j'aimerais bien voir les preuves. Alors, il n'y a aucune preuve, c'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Par contre, il y a une part de vérité dans cette histoire et c'est vrai. Donc, que j'ai jeté ma merde, ça c'est complètement faux. Non, mais ça va trop loin. C'est abusé. Ouais, je lui ai mis la tête dans les chiottes aussi, non? Donc, c'est vrai qu'il m'a filmé quand j'étais aux toilettes avec Raphaël. Ça, c'est la vérité. Et je faisais que lui dire sors, sors, non. Et en fait, il revenait à chaque fois. Et j'ai trouvé, c'est vraiment d'un manque de respect, c'est carrément là, c'est une violation de l'intimité. Et j'en ai même pas parlé tellement je trouve ça grave. Donc oui, quand il dit il y a eu des trucs très graves, ah bah oui, il n'y a pas eu que ça. Mais ça, ça fait partie des choses très graves, je trouve, de filmer sa femme aux toilettes, c'est une honte en fait. Je trouve que c'est une honte, donc voilà. Puisqu'il veut parler et inventer des choses sur moi encore, à dire que je lui ai... Ça, je suppose que ça vient de lui. Moi, à quoi même, je le connais pas. Lui, il est comme ça avec, donc je suppose que c'est lui. Ou alors c'est lui qui l'a dit à des gens, qui l'a dit à des gens, j'en sais rien. Mais ça m'étonnerait pas qu'il invente encore des trucs sur moi comme ça. Non mais ça va trop loin. Il va aller dire aux gens que je vais jeter ma merde dessus. Donc moi je vais raconter encore une fois la vraie vérité. C'est dingue, hein, je suis toujours obligée de me justifier, de rétablir les choses. Oui, il m'a filmé aux toilettes donc avec Raphaël, c'est une honte. Mais vous verrez, je sais pas moi, Justin Bieber filmé Hailey Baldwin en train de chier. Mais franchement c'est honteux. C'est une honte. Et c'est pas la première fois qu'il me filme aux toilettes. Il y a déjà une photo qui avait fuité, je sais pas si vous en rappelez. Ça, vous pouvez la retrouver dans des articles. Vivian filme et va aux toilettes et je faisais que le dire sort, ça l'amuse. Et il avait mis ça en story. Vous vous rendez compte, il ne s'arrête jamais de me filmer aux toilettes. Mais imaginez l'enfer que j'ai vécu. Mais c'est... Donc Raphaël Pépin m'a vu aux chiottes, c'est normal ça aussi. Et ses amis, puisqu'il était pas seul. Hein. Donc il y avait lui et des amis à lui. C'est normal de filmer sa femme. Devant des gens en train d'être en toilette, je trouve que c'est une honte. Et j'en ai même pas parlé parce que je trouvais tellement ça honteux. Donc je suis obligée de le dire, je suis obligée. Voilà, parce qu'il y a encore des crasses sur moi qui sont fausses, encore une fois. Et ça, c'est lui, hein. Je sais que ça part de lui. Hein. C'est forcément lui qui a dû dire ça à des gens, qui a inventé ça. À quoi il va pas sortir ça, il va pas l'inventer. Hein. Ça, c'est sûr. C'est que quelqu'un lui a dit, c'est évident. Par contre, les preuves, il y en a pas parce que c'est faux. Donc c'est juste des gens qui parlent. Et les gens qui parlent, il y a une source, et la source c'est qui? Lui. Ça va être qui? Qui va s'amuser à inventer ça? Donc j'avais beau lui dire sors, sors, limite j'avais les larmes aux yeux. J'étais en... En fait il pousse à bout, et plus je dis sors, j'ai carrément pris son téléphone, je l'ai jeté par terre, et il l'a repris, il est revenu me filmer encore. Je vous jure, ce jour-là j'ai pleuré de nerfs, de tout, et surtout que j'étais malade. J'étais malade, j'avais une intoxication alimentaire, j'étais pas bien. Je pleurais, et il s'amusait à me filmer aux toilettes. Voilà, voilà le personnage. Donc voilà, mais l'histoire de caca est absolument fausse. Ça va vraiment trop loin et ça, je sais que c'est lui qui a dit ça, c'est obligé. Qui va inventer ça, franchement? C'est totalement son genre. Donc voilà, ne croyez pas tout. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses, de rumeurs. Heureusement que c'est que ça. C'est tellement stupide que ça lui ressemble. Ce genre de truc bête. Bref. C'est pour ça que je voulais même pas me justifier, mais je suis obligée. Voilà, maintenant vous savez la vérité.